troisième coup de cœur de notre série après le patrimoine et l'artisanat. Nous sommes ici au Moulin de la Cour à La Séguinière pour une partie balade avec Sandy. Bonjour Sandy. Bonjour. Le Moulin de la Cour est effectivement un lieu qui est très privilégié par les familles. On peut notamment y faire de la pêche, découvrir la faune et la flore, également se promener. Et puis, il y a effectivement aussi un espace pique-nique où vous avez des aires de jeu et des tables de pique-nique pour pouvoir passer un bon moment en famille. Donc en fait, c'est assez complet. On peut venir marcher, courir, faire du vélo parce que c'est tout aménagé. Et puis finir par un petit pique-nique en famille. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est un lieu qui est très complet. Vous avez un nouveau parcours sportif qui a été installé il n'y a pas très longtemps, qui est destiné aux plus de 12 ans, où vous avez plein de petits exercices à faire, que ce soit en famille, entre amis ou même tout seul, qui vous permet, en bordant la Moine, de faire des petits exercices physiques. Et puis, notamment, le sentier d'interprétation qui existe aussi, où vous avez, au fil des panneaux, un itinéraire qui vous propose de découvrir le patrimoine local, la rivière, la Moine, et puis également la faune et la flore. Donc Sandy, cette balade s'appelle la balade du Moulin de la Cour, mais il est où le moulin en fait ? Eh bien le moulin, il est juste ici. Le Moulin de la Cour est un ancien moulin à eau qui a cessé son activité en 1880. Aujourd'hui, il n'en reste plus que les murs. Il faut savoir qu'au 19e siècle, il y avait 18 moulins sur la commune de La Séguinière. 12 étaient des moulins à vent et 6 étaient des moulins à eau. Ils permettaient du coup une production continue de la farine, même en période de sécheresse. Ben merci beaucoup Sandy pour ces explications, c'est très clair. Merci. On espère que ces explications justement vous ont donné envie de venir vous balader à La Séguinière et on vous retrouve très vite pour un nouveau coup de cœur.